Attendez, il y a un peu de blanc, j'aime pas. De pierre et à l'homme se redressant pour faire ses premiers pas debout, vous venez de... On a prévu de faire un 1v1 de champion. Ouais, parce qu'on n'arrive pas à être 4, on n'arrive pas à avoir de dispo. Ah non, bah c'est la merde. Eh, Ulysse, si on gagne la CWC, ça sera juste au talent. Ah, je peux vous le dire. Et là, le talent, je sais pas. J'ai l'impression qu'on dépense plus dans Albion et NBA 2K que dans Civilization actuellement. Mais bon, voilà. Donc on a prévu de faire un 1v1 des champions. Donc nous on sélectionne un champion, il sélectionne un champion et on fait le tie-break en 1v1. Parce que sinon on forfait. Et autant pas forfait quoi, autant proposer un truc qui pourra être un peu rigolo et un peu sympa sur Sif quoi. Voilà, on va voir si on peut faire ça. Ouais, on voit Yazagi, Sandro. C'est pas mal ça. Oh oui, j'ai vu BDC contre SPA. Oh, bah SPA, ils vont savoir. Ils vont tout savoir. Ils vont tout savoir quoi? Bah ils vont tout savoir, les gars, que vous allez essayer de les all-in, les cheese. Donc ils vont essayer d'être le plus solide possible. Déjà, faut ban les trucs les plus adaptatifs solides. Essayez de les faire prendre des trucs très extrêmes. Je pense. Bonjour Arcarios. Moi, ça va, moi. Voilà. Bon. Allez, comme il y a Arcarios, je le dis. Voilà, bonjour, pite de chien, j'espère que tu vas bien, mon ami. J'étais pas là sur les deux derniers jours, parce qu'il y a une semaine, je vous avais dit que bah, ma mamie, elle était malade et que je pensais que ça allait bientôt être la fin. Et effectivement, elle est décédée. Donc, du coup, j'étais à l'enterrement durant ces deux derniers jours. Je suis revenu donc hier soir, mais petit mood. Voilà, petit mood. Donc, du coup. Préféré faire le petit pas de côté. Voilà, tout simplement, pour ceux qui me suivent, qui suivent un peu ma vie, je vous en avais parlé un petit peu, mais je fais pas des posts, etc. Voilà, je parle avec les gens que j'aime bien dans le chat et qui doivent, certains me comprendre, voilà, F la baby. Si vous avez des proches comme ça qui ont commencé à être vieux, parce que voilà, elle a bien vécu, ma mamie, c'était une formidable personne, hein, vraiment une super femme, très très forte en plus de son temps et qui a été très très portée sur les jeunes générations, etc. Non, franchement, elle était top. Et profitez-en au maximum. Voilà, tout simplement. Et on revient dans le film. Avec le fascisme, mamie. Ça, le fascisme, mamie, a connu. Elle a connu. Ah, ouais. On va se décaler à gauche. On va juste se décaler à gauche et on va se laisser la possibilité de mettre un acropole. Une acropole. Ici ou là, avec place de gouvernance. À côté, là ou là, jardin suspendu là ou là. Ça me convient très bien tout ça, pour le moment. C'est exactement ce que je veux. Je veux une merveille en early avec cette cive. Donc merveille en early, j'ai l'impression que ça va être jardin suspendu. Dans la majeure partie des cas, parce que c'est celle qui coûte le moins cher pour la meilleure rentabilité. Merci Dragon Hunter. On n'a pas grand chose dans les personnages illustres. Putain, mais c'est encore super fort la musique. C'est super fort pour vous aussi. Je vous baisse un peu la musique. Voilà. Et je baisse aussi un peu le jeu. Il y a Ovid first. Il y a Ovid first, ouais, les métamorphoses et les hémorroïdes en premier bouquin. Bah, c'est bien, comme ça on va pouvoir. On va pouvoir avoir quelques facilités pour faire des choses. Lâchez loose. C'est notre rivière, ça, le Mesta aussi. Il va falloir regarder ça un petit peu particulièrement parce que, messieurs, dames, on est avant-dernier sur le lobby donc on pourra avoir des informations assez intéressantes. Je vous rappelle qu'on est sur une 7-6. Je crois qu'on a un split continent pas très très loin avec les deux failles géothermiques. On a un stun edge possible, On a un stun edge possible. Est-ce que ça me convient bien?
Est-ce qu'on part avec des merveilles un peu partout? Ah, j'hésite, hein. Avec les failles géothermiques, j'ai envie de mettre Acropole Campus directement. Peut-être que ça me bait un peu. Le plan de jeu, c'est faire un push fascisme. Oui! C'est faire le plus rapidement fascisme. Ah, j'ai pas envie de partir Astro aujourd'hui. J'ai pas envie de partir Astro. Après, on a quand même une petite plaine inondable ici qui pourrait être intéressante à la récupérer avec un item. Qu'est-ce qu'on a eu? On va aller voir ça. Commerce à l'étranger, manœuvre nationale. Okay. On va se mettre rapidement une B2 ici, en face settle. En face settle, ça donne peut-être envie. En ring 3, on pourra avoir au moins 6 cases de mettre un item. On pourra pas récupérer ces cases-là. Après, je peux très bien me face settle sur la 2-0 ici, récupérer un peu plus de cases. Et essayer de mettre un item quand même. Mettre un item sur cette case-là, mettre l'acropole de l'autre côté. Que c'est dur, hein, ces choix-là en early game. Ce genre de cif, qu'est-ce qui va être mieux? Qu'est-ce qui va avoir le plus de rentabilité? Est-ce que c'est poser 3 merveilles, faire 3 légions, religion des merveilles? Mais sachant que c'est des choses qu'on peut se faire style, on peut très bien être dans l'incapacité de pouvoir réaliser ce plan de jeu. Compliqué. Avec éducation de jésuite et étincelle? Bonjour Seth. J'espère que tu vas bien. Ça me dérange un petit peu. Est-ce qu'on va avoir un setup avec la B2 avec double theater aussi? Ça, c'est un truc qui m'intéresse à savoir. Oh, first mid de blanche, ça c'est bien. On va pouvoir avoir son panthéon un peu gratos. Oh, on a entendu un poisson, vous avez entendu? Ça veut dire qu'il y a un mec pas loin, non? Et donc, du coup, on va shift hunter là, ça. Ok. Alors, est-ce que je te pose un Stonehenge ou pas? Je te pose un Stonehenge dans la B2 ici, c'est possible aussi. Les thèmes, ça me fait peur parce qu'on n'a pas énormément de tempo non plus. Y a pas beaucoup de plaines inondables sur mon spawn. Y a pas beaucoup de march non plus. J'aurais bien envie de me mettre là. J'ai pas Shift Hunter. Complètement oublié du coup. Et on a eu quoi? On a eu maçonnerie. Bah super! Oh bah maçonnerie, c'est top! Est-ce que je vais me rechercher un panthéon rapidement ou pas? Donc là, on pourra se mettre là. On va mettre un théâtre et mettre un truc ici. Malheureusement, il y avait le double campus. Hein. Je vais quand même mettre le plus 1. Ça, c'est pas un souci. Donc on doit avoir un mec qui doit être dans les parages parce qu'on a entendu les poissons. Permis de bosser dans la B3. Un peu dur. Un peu dur cette place là. La pyramide va pas être adjacente à l'acropole, donc on va pas avoir le bonus de proximité. Ça me plaît pas trop. Ah, j'ai l'impression que je vais pas pouvoir traverser ici. Voilà. Donc lui il est là, il doit pouvoir balancer de scout. Peut-être qu'on peut récupérer un petit truc. Un anglais assez proche de nous, hein. Bonjour Glastos, merci beaucoup. Merci Grayako, bisous. Bonjour Geoffrus, Stonehenge, Cap et Thème B2. Enfin, ça que je pense. Hein. C'est difficile de faire ça, en vrai. Un peu chevalier de 2 étoiles. C'est possible. Oh là là, je suis obligé de passer par là, ça me fait chier. Bon, on va aller récupérer les settlers les plus rapides de toute façon. On a des settlers assez rapides ici, ici aussi, on a une 2-2 à récupérer. Je sais pas si j'ai de collines à côté, c'est ça qui me fait chier là.
Là, je vais quand même aller me settle. Et en bas, on avait l'eau, hein. Donc, on va pouvoir faire la relation costale avec le mec. Sortir. Ok. Oui, l'été, mais un peu mieux là, du coup, mais bon, est-ce qu'on va l'avoir? J'aurais dû prendre les plaies inondables, du coup, j'aurais dû prendre le plus 1 de fois. C'est chier. On va faire les thèmes, du coup. Mais est-ce qu'il y a lieu ça qui part derrière? Pas sûr. Parce que là, faudrait que je reparte Astro. Ça va me faire beaucoup de tech à aller chercher. Je pense que je vais rester là. Non? Oh mais merde. Hein. Rester là, c'est Aqueduc, Aqueduc. Double zone Indus, c'est un truc qui est bien mieux qu'elle est là. On va avoir plus de 2-2. Et on se met là. On pourra mettre l'acropole ici. On tente. Another wonder in my land if you want est. Donc je pense qu'il est parti en haut à gauche. Partie monnaie actuellement. Il va falloir qu'on aille trouver des cases, des trucs ici. Ok. Fertilité accrue sur deux cases. Donc c'est bien, mais... On va descendre ici, je pense pas qu'il y ait de scout qui soit vraiment descendu directement là. On a les 2-2. Achat de deuxième scout? Non, il nous faut des cases. Là, je suis parti monnaie. On va sûrement se faire rig. On va voir. Là, il y aura sûrement un cheval ici. J'ai pas envie de poser le Stone Age. J'ai pas envie de faire une religion rapidement. Peut-être plus tard sur un discount de lieu saint après les théâtres, mais. On va partir sur quelque chose d'assez rigide. En espérant l'avoir. Une Wonder. Le boost. Premier Empire Drama. Poser des théâtres un peu partout, faire un bat, voire deux, chope le truc. Ici, on a prochain tour commercial étranger. Est-ce qu'on a la tempo pour se faire un quatrième colon? On va avoir plus 10, on va avoir du stack de prod sur le prochain colon et on va être toujours à 3 de pop. Je voudrais bien voir le Panthéon, la vie d'ordable. Je suis désolé, je parle du dé. Bonjour Yann! Il n'y a pas de problème, merci à toi. Très gentil. Bonjour coach. Bonjour à vous tous. Oh là 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 là. Ah, j'ai bien senti celui-là. Alors on aura 3-1-3-1, donc on a besoin que d'une case. Ça sera une 3-1 avec le Panthéon. Ensuite, prendre une 2-2 de base. Là, on va de toute façon le chop. Qu'est-ce qu'on voudrait avoir? On voudrait avoir un bâtisseur peut-être dans la hutte pour commencer à se faire l'olive ou le diamant. Et là, on voudrait révéler les chevaux pour pouvoir casser ce petit mouton. Avec un peu de chance, on aura un récif de l'autre côté, donc du coup, on pourra faire un super campus là.
Allez, on y croit. Il y en aura un de super campus, on pourra pas mettre les deux, je pense que je vais mettre la place de Gouv au milieu pour faire vraiment des très très bonnes acropoles de base, des plus 4. Ou une merveille. Ouah, c'est beau le lendemain. Ça me fait hésiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est long quand même. 3, 1, 1, 3, c'est bien. Une 2-2 derrière. 7 tours. On va donner de la prod à l'autre. Allez. On arrive là-bas. Il est né Gaston, il va mourir Gaston, non. Merci coach pour le 57. Ouais, des 0-0 ça soit. Tout à fait raison. Si on l'a. Tradition militaire. J'ai eu que de la hutte de merde. Hein. Irrigation, on va attendre un petit peu, je pense. De toute façon, on n'a pas de bâtisseur, donc ça ne sert à rien de le débloquer. On va s'avancer sur élevage. Deux tours, on aura peut-être le Panthéon. S'il n'y a pas le Panthéon, c'est la merde hein, pour les thèmes. Hein. S'il n'y a pas le Panthéon, c'est la merde pour les thèmes. On aurait peut-être pensé à se mettre un jardin sus à la place. Allez, Osef. Bonjour Ryan. C'est tra des acropoles. Là. On est en 5 sur 8. Hein. C'est très très chaud. Première hutte avec lui. On va aller travailler ça. J'ai besoin du monument, hein, mais je vois un bat en deux tours. C'est quand même pas mal. On a du stack de prod qui nous le fait passer en deux. C'est cool. On va travailler dans nos deux tours le cheval ici. On va peut-être faire le riz derrière et nous faire irrigation et on pourra aller travailler l'olive et on n'aura pas le malus d'activité. Donc ça me plaît bien, mais on a un retard considérable sur les monuments. Il va falloir lancer monuments directement dans la B2. Ici, là, dans la B3, pardon. Il faudrait quoi? Il faudrait... Dans la hutte, là, qu'est-ce qu'on pourrait espérer? Un bat. Et on a eu une crue ici. On n'a pas eu le Panthéon. Navigation à voile, monnaie. Donc, navigation à voile. On n'a pas revu le scout dans les frontières, un peu bizarre. Alors, on prend un peu de gros. Fertilité accrue sur 3 cases. Allez, on prie! Pour le Panthéon des roseaux et des marais, mais bon. Vous savez, on est en stream. On est en stream, c'est dur d'avoir ce genre d'abondeur au début de game. On va voir comment ça va se dérouler, mais... J'y crois pas. Bonjour Mandando, bonjour Ken. Bonjour Clem. Fascisme gaming aujourd'hui? Oui, fascisme gaming aujourd'hui. Ah, il y a eu encore une crue, mais par contre, celle-là, elle m'a baisé. Ouf. Hein? Elle m'a baisé. Pas de cheval ici. Non? Ben, un jardin sus, c'est pas mal, là, en vrai. Peut-être qu'il y a un truc sympa là. Donc 3 tours.
créer un monument. On lock un petit peu ici. Belle crue, hein. La dernière, là. Et un mec qui est mort, mais trois cases fertilisées. Et les bonnes cases. On va avoir premier empire. Oh, mais... 4 cases maintenant. Et on a une possibilité de 2. Une petite 4 de roue qu'on va lock. On va se mettre sur ça. 4 cases et on va avoir une 4-1, une 3-1, une 3-1, une 4-1. C'est une Yang qui part direct, hein. Mais le problème, c'est que je voudrais bien avoir la Yang 2. Et quand, étant donné que je n'ai pas de culture actuellement, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Est-ce que dans deux tours, je pourrais pas mettre colon machin? Je pense pas. J'ai essayé de me faire jardin sus derrière. J'ai l'impression que c'est ça ma voix. Le grand bain plus 4 deux fois là. Mais... je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais bon. On va pas le mettre encore, tu vois. Et... vas-y, ouais, j'ai voulu prendre quand même la vision de tout ça. 8 sur 8. Est-ce que je débloque exploitation minière? J'en ai pas beaucoup besoin. Bon, si on a les thèmes, ça pourrait être vachement intéressant, hein. Je me demande si je vais pas faire ça. Je refais un bat. Je me chope le bordel ici. Je me mets un jardin sus. Voilà, c'est bon en vrai, hein, aussi. Ça pourrait être un appât d'adin, là. Ouais, je pense à ce genre de truc. Mais est-ce qu'on pourrait faire une merveille qui pourrait toucher trois acropoles? Non. Hein. On espère avoir le 3 cycle d'état aussi. On est passé par là. Des élécumes pour l'autre. On est en 3, 6 ici. Est-ce que je refais ça? Mmh. 9 tours. Avec un petit chop, pourquoi pas. Il faudrait que je chope ça. Au niveau des techs, j'ai pas mon âge d'or encore. Le hoplite. Ça me fait chier d'aller partir hoplite, hein. 6 tours. Ah, je l'aurai jamais de toute façon. Peut-être où, à la limite. Ben, je l'achète de merveille, je vais pas faire de religion. En tout cas pas early du tout. C'est Magnus qui devrait partir en vrai. Et Young me sert à rien pour le moment, j'ai pas réussi à avoir mes deux titres.
Je meurs. Je meurs tranquillement. Je suis parti sur un petit lieu sain, rien évidemment. J'ai juste cette histoire. Ouais, c'est pas ça que je veux, moi. Ouais, je pars sur quoi, du coup? Je vais acheter des petites cases. Elles doivent pas coûter grand-chose, là, tu vas me dire. Elles doivent coûter quoi, 24? Peut-être elles coûtent encore 25. Donc, on coûte quoi, 19, 18? 24. D'accord, super ça. Oh là 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 là, mais je me perds avec mon scouting. En 7. Voilà par exemple. Si j'ai fait ça. On va pouvoir one turn le petit monument. C'est cool. C'est toujours cool. Là peut-être qu'on sera en deux tours. On va peut-être faire ça aussi. Là, on se chope la 2-2. 6, 4 tours. Avec le monument, à mon avis, on sera quasiment dans les bons Montaro. Avec 2 Wonder, est-ce qu'on a son âge d'or? Dramaturgie, 2 Wonder. Peut-être. Passe de gauche sur 1-2 avec Acropole, Campus plus 6, Acropole sur Mouton en B3. Oui, Acropole, Acropole. Place de gauche. Je pense, place de Gouv. Peut-être qu'on mettra... Là, il y aurait une plateforme commerciale. Place de Gouv, plateforme co. Ça a l'air d'être pas mal. Hein. Et on mettra un campus en plus 1000 de l'autre côté. Là. Comment on pourrait faire un peu mieux? Bon, évidemment, si les thèmes disparaissent ce tour-ci... Chiant. C'est assez chiant. Je repartirai pas vers l'autre côté. Allez, on y croit. Koumazi, petit bat à voler, pourquoi pas. Faire un petit bat, toi. En attendant, ce sera un bat pour le Magnus, juste en face de lui. Deux tours les thèmes. On a bien fait de lock la 2-2 tout à l'heure. C'est grâce à ça qu'on arrive à faire ce move là. Réduire le temps de prod. Et ici. Voilà, 4 tours. Avec le chop en 3, ça fera 3 tours. Donc on a 2 tours, 3 tours. On va se faire sûrement un bat ici derrière. Il disparaîtra le tour prochain. Non! Place de gauche sur le campus, ouais. Ouais, 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 il y en a un que je vais pas faire. Tu vois, là, j'en ai un plus 3 là. Un plus 3 là, j'en ai un plus 2 là. Oui, j'aurais pas les 2 plus 4, je suis d'accord. Et j'aurais pu mettre place de gauche ici pour avoir un super campus en plus 6. Avec un ping gala, avec 15% en plus de science. Il est né Gaston, il va mourir Gaston, non. Bonjour, c'est le derrière. On va essayer de prendre plus de bonus de proximité, de base. Sur les acropoles, sur le premier quartier, on est en train de spammer. On va voir qu'est-ce qui se cache là-bas. On va voir 80 balles dans pas longtemps. Est-ce qu'on a quelque chose de possible? Au niveau des golds à dépenser, hein. Je suis en train de réfléchir. J'ai pas envie d'acheter ces petites cases, hein, évidemment. Un march, ça a l'air d'être dans 5 tours. Les marches vont être très importants parce qu'ils vont nous récupérer prod et science. Prochain tour item. Ouais, s'il manque un point, je pense que je l'aurai avec le mec qui est là. J'ai pas compté. Ça va être 4 points, ça va faire 8 points.
va faire 17 points. Donc on sera 17 sur 19. Et on pourrait travailler peut-être une petite case ici. Est-ce qu'on pourrait travailler? On espère que l'acropole sera là. Aïe pour le point, ouais. Et lui il est toujours là aussi. 4-2, 4-2. Ah, il y a de la case là. Et je te mets ça pour le méga acropole en vrai. C'est 7 tours, c'est long. On va d'abord te faire un bat. J'ai l'impression que ça ne changera rien. On va faire 18, 76. Et j'ai re 14 derrière. Là, je fais 15 de chop. Oh, il me kill. J'ai raison, hein, non? Par contre, j'ai plus de 2-2 après. Ok. Ouais, belle, hein? Belle ville! On va falloir qu'on chope ça pour y poser l'acropole. On approche un tour. Ça ira. Non, les dramas, c'est plus ça, hein, c'est bon. Si on a le jardin sus, c'est bon. C'est pas sûr, hein, tour 28, d'avoir quelqu'un qui le veut. J'aurais dû stack la prod, oui, sûrement. Pour run, en tout cas. Oh, c'est bon, allez. On attend ici. J'ai bien envie de me refaire un bat, mais en vérité, c'est pas si bien que ça. Je veux pas la carte. Kunza, nickel. Aux 3 cités états. On peut tempo un peu la roue. Allez. Une plus 4, histoire d'arriver un peu plus rapidement sur manœuvre nationale, de poser ma place de gouve. J'ai deux bats qui sortent, il va y avoir un chop qui va être mis là, on va se refaire un bat directement. Et il faudrait que j'aille travailler le petit cheval. On a une 4-2 ici maintenant, rendez-vous compte. 4-2-1, on est à 12 de science. 12-9. On n'a pas de foi, on n'est pas en menu, ouais, effectivement, mais on a deux merveilles qui sont vachement importantes pour le snowball du jeu. On va rester sur ces trois villes pendant un petit moment, je pense. Un tout petit moment. Et là, je vais te faire ça, et on va te remettre... on va te mettre les cartes de Ilkum. De prendre un peu plus rapidement les bats. On est parti sur plateforme commerciale. Est-ce que c'est vraiment le choix qu'on va confirmer? Je ne pense pas. On va vouloir avoir la roue pour avoir un beau moulin ici. Travailler nos petites fermes. On va retravailler la 4-0. Est-ce qu'on peut travailler la 3-1 en plus et passer en un tour? Un truc comme ça là. Un peu spécial ça quand même. Un peu spécial mais je vais le prendre. Je sais pas trop sur quoi partir, on va faire tir à l'arc j'imagine. Et on va essayer d'aller débloquer le plus rapidement possible l'apprentissage avec Duc, évidemment. La roue je vais pouvoir le faire, c'est pour ça que je le tempo. J'ai un nouveau quartier à faire. On va enlever le coup des cases. Mais si on veut enlever le coup des cases... Ah non, on a déjà plus le coup des cases.
On est sur son petit 2 points d'écrivain par tour là. Avec la carte. Merci Pauline. Piston et Jaspard quand même. Ça fait beaucoup de trucs. Mais j'aime pas faire beaucoup de trucs comme ça. On va se mettre un stylo. Parce qu'on a rien d'autre évidemment à pouvoir se récupérer. Un prime, ça aide nous. On est à 7 de pop. On est content. On remercie Nice JujuTV. Merci pour le prime. 4-3. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Les amphis vont mettre un peu de temps à arriver hein, en vérité. Je vais te remettre un coup de kill coom. Hop. On va avoir un diamant, ça fait une deuxième ressource de luxe. Merci beaucoup. Merci Gaylife, Wafien. Le T2 depuis 48 mois. Il est né Gaston, il va mourir Gaston, attends. Non. Commence à faire du temps quand même. Oh, on est encore bloqué, mais putain. Merci beaucoup à vous tous. Il y a deux oranges du côté de Togoog. Avec un petit crabe. Avec une petite tortue, pardon. On a de l'argent, il faudrait le dépenser. 130 par exemple pour un bat. On a rééquilibré nos cases ici. Ici c'est nickel. Oh. Et on va commencer à mettre la Liang dans Corinthe. Pour faire une superbe ville de cette ville là. Et on va essayer de mettre un petit peu plus tard aussi. Le grand bain ici je pense. Je pense que ça sera bien. Merci Matthias, merci Polo. Merci à vous tous. C'est très gentil à vous. Et je voudrais donc le moule. Le moulin, ça va nous permettre d'avoir production plus 1 pour toutes les fermes de la ville. On doit être adjacent à une rivière. Et on a de base nourriture et production plus 1 grâce au bâtiment. Donc avec cette Liang, on va te faire des trucs. Il y aura un colisée sûrement, un truc comme ça qui va partir aussi. Là, on va vouloir faire ça. Mais juste avant, je te fais un dernier bat. Ok, on est content de tout ça. Production, bâtisseur. On est en train de travailler des trucs. Ouais, j'hésitais. Ouais, je me suis mis là. Je pourrais mettre le grand bain ici, en vrai. Ce serait sûrement un peu mieux. Voilà. C'est une Seven Seas comme map. Et 7 mers. Petite 3-2 en plus. Je vais travailler cette case là pour le moment. Et il nous faut du discount un peu partout maintenant. Alors, on l'a pas ici, c'est un peu dommage. Il est né Gaston, il va merci, mourir Gaston, yes. Non. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Isidore. Bonjour. C'est plus classique, hein, simplement. On va se prendre toutes les cartes qui vont nous faire du bien pour pouvoir progresser économiquement. Donc colon, bâtisseur pour pouvoir produire plus vite. Dirigeant charismatique à Ligue Diplomatique pour les cités-états. On pourrait se faire ça d'ailleurs, à la place de Ligue Diplo. Et Corvée, effectivement, on voudrait bien partir sur ça. Avec une petite merveille en plus dans la B2, vraiment. Ça me dérange pas. Hein. On va le faire. Ah, ça sera grand bain, mais pas tout de suite. On va d'abord se faire le moulin qui m'a l'air d'être plus rentable. On va partir Ferro directement derrière. Un peu bizarre ce que je vais faire, mais je vais le faire quand même. On va d'abord se faire un colon, mais on va le tempo parce qu'on a juste le quartier qui est discount et on va pouvoir chop des trucs juste derrière. Donc je pense que c'est un tout petit peu mieux de faire ça. On va jouer sur deux tours au lieu d'un. Enfin, entre guillemets, on va jouer sur deux tours au lieu d'un. On va considérer justement sa prod globale sur deux ou trois tours au lieu de considérer que dans un. Voilà.
là, je vais avoir un petit discount de place de goût, je vais avoir un petit discount de campus aussi qui va pouvoir arriver. On va essayer de poser tout ça. Dans Corinthe, on voudrait mettre le complexe de loisirs. Est-ce que je vais me faire ça là direct? On a maçonnerie? On n'a pas maçonnerie. Okay. Donc là, 26. On va pouvoir se faire ça, voilà, nickel. Matériaux renforcés. Je mets une salle ancestrale quand même. Ouais, ça me dérange pas, moi. Les gens prennent des cités, t'as dans le jeu. On est à 107 de score, c'est pas terrible. Mais on est pas mal. Par rapport au reste du lobby, évidemment, c'est comme ça qu'on se compare. Ça sera ça, évidemment. Là, on va vouloir mettre notre campus discount. When fascisme soon! Pas soon, mais bientôt. Un colon, là, on va faire la petite merveille. Mais je voudrais vraiment réussir avoir ce campus discount, donc il va me falloir une histoire écrite en un petit tour. On est à 32 de culture actuellement. On a Koumazi, un petit émissaire dedans. Ça va nous permettre, quand on aura nos amphithéâtres, d'avoir plus de culture sur eux. Et là, regardez-moi ça, les fermes, on en a 4. Le moulin réalisé, il nous coûte 42 prod et on va récupérer 4 de prod de plus. 5 de prod de plus maintenant avec cette ferme-là. Et on vient de débloquer féodalité en même temps. Je voudrais bien commencer à choper des petits trucs quand même. Là on a loisir, ok. On va pouvoir se chop ça, se mettre le campus normalement. 7 de pop ici. On va peut-être laisser à une autre ville. Moi je voudrais bien une plateforme commerciale dans ma BA. Non ? Rien. Donc c'est bien beau d'avoir un campus discount ici, mais bon. On va sûrement aller le prendre là, et on fera peut-être une grande bibliothèque ici. C'est marrant ce que je fais, mais je suis pas sûr que ce soit si pertinent que ça. Il va falloir qu'on aille trouver une religion. Pour que notre grand bain soit rentable aussi un petit peu, quoi. Je vais te mettre la route de l'autre côté. On a 25 de prod uniquement sur cette ville. Moitié de notre empire, quoi. Il me faudrait quand même un bat ou deux de plus, c'est ça qui me dérange. On n'a pas les cartes. Je voudrais mettre par exemple le complexe de loisirs ici, ou complexe de loisirs sur A4-4. A4-4, ça me fait un peu chier. Alors on va voir combien de prod là à chop. On va commencer à se mettre un peu sur les côtes, hein, évidemment. Temple d'Artemis vient d'être fini. 21. Bon. Ah bah non, c'était pas bon. Les gars. À compter. Là, si on se met là, on a plus de ville sur la côte. Donc il va falloir qu'on se mette sur la 1-2 là par exemple. Et on va falloir qu'on prenne les deux côtes, j'ai l'impression. Donc va falloir qu'on se prenne la 1-2 là, plutôt. La 1-3 là. À peu près la même chose. De l'autre côté, c'est un peu vide. De l'autre côté, c'est un petit peu vide. Là, si on fait ça, on va pouvoir changer les cartes. Je vais garder les colon pour le moment, mais je vais juste remettre la carte des bats parce qu'il me faut un bat ou deux là. Les causes qui ont des problèmes. Ok, pour le prochain tour, on pourra poser son campus quand même. Oui. Oui ou non? Non. Non, faudrait qu'on finisse ce truc-là. Aïe, aïe, aïe.
37 de prod, moi je voudrais bien un battre là. On a délai. C'est un peu dommage parce qu'Historic Creed, j'aurais pu faire le récas assez facilement. On a juste voulu avoir d'autres campus secure ici, en plus 3, en discount. Peut-être qu'on va se foutre là directement parce qu'on aura le temps d'avoir Féo. Peut-être. Peut-être que je suis d'élu. On va se chop ça. Koumazi, on va pas récupérer ça. Et Revan non plus. La Hunza, ça sera pas des cités étapes pour nous. Et il va falloir qu'on arrive à commencer à en trouver. Je suis sur ingénierie, comme d'hab. Je vais mettre mon petit aqueduc, hein. Connais la mimolette. Et après, on va repartir tir à l'arc. Monnaie, apprentissage. Et au niveau de notre gouverneur, on a des petits problèmes. On va faire un Magnus tournant, ça c'est sûr. Donc on voudrait bien un Moksha dans la B1 et un Pingala dans la B2. Et puis point final. Pas mal. Hugo est né jésuite. I am an American religion, but I don't know what yet. To be totally honest. Alors est-ce que je me mets le complexe de loisirs ici? J'ai même pas envie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est sympa. C'est sympa. Je lui... On se met une mine. Une stratégie défensive. Soon, soon, soon. Est-ce que je te fais le campus? On va te faire un colon, on va commencer quand même. Et je voudrais faire des bats après. Toi t'es toujours sur ton bat, hein. Ça me fait un peu chier ça. On va se mettre l'aqueduc, le seul vraiment possible. Par contre, tout ça. Là, j'ai toujours envie d'avoir le. Je vais chop ça. Ok, j'ai fait mon choix. Alors si je le mets là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merde. Colisée. Pour 39. Merde. Ah bah je... Bon, revu celle-là. Bah ok. Bah pas de problème. Et j'ai plus de soucis de place ou quoi que ce soit, de me mettre dans des cercles. Non mais c'est bon, moi ça me va, ça me va, ça me va. Oula, oula, pfff, tu penses... Non, je peux emmerder. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ouais, faut débattre ici. Hein. Faut débattre, mais on a dans 2-3 tours les bâtisseurs qui vont arriver. Zanzizi, inspiration, formation militaire. Ah, Yeli, Yeli, non, bonjour. Ici, bah, ça peut être à moi, hein, tout ça, en vrai.
Le colosse à Rhodes. What the fuck? C'est chaud. On peut le voir, on peut le sentir, mais ça va être compliqué quand même. Il n'y a pas de religion dans la game. Ah, c'est dingo dingue ça. On va pouvoir discount derrière. Il faudrait que je fasse un Nancy, il faudrait que je fasse un petit truc pour récupérer mes écrivains quand même. Donc, pas de complexe de loisirs les gars. C'est ça que ça veut dire aussi. Donc là, dans pas longtemps, on va pouvoir se lâcher les plateformes commerciales dans Corinthe. Et on voudrait bien Stonehenge et bordel. Je l'ai pas eu. Bah c'est ici qu'on devrait faire ça. C'est le plus proche. C'est pas le moins bien. Il est sur la... Waouh. Wow. Voilà, on va se foutre là. Retour pour le bat. Ouais, j'aimerais bien récupérer ça, mais c'est un peu cher. Faut slam la grande bulio aussi. Faut slam la grande bulio, mais je voudrais avoir un amphi. Il faut le campus. Enfin voilà. Là, je vais faire un nouveau bat pour continuer d'aménager, de chop. La grande biblio, elle est prévue. Un bat en 3. On va voir le petit monsieur là. Petit chercheur, pourquoi pas. La corvée, c'est finito. La corvée, c'est finito. Art de la guerre, tiens, c'est marrant ça. Colonisation, d'accord. Insoulet, je pense pas. Oh, coup d'achat des cases. Non, ça sent bien ça. On va s'acheter la 2-2 là. Bon, va falloir tamponner un petit peu ce colon. Il y en a 3 en train de sortir, 4 en train de sortir. C'est pas mal. On va avoir des problèmes ici. Ah, je suis d'accord. Je t'en rosse la main. Ah. Meilleure case pour pas si cher. Est-ce qu'on peut pas avoir Féo hein? Et non, on n'a pas d'amphi. On peut pas se lock un petit peu de culture à droite à gauche. Impossible. Et on n'a pas de cité-état à récupérer en plus. Bon, bah c'est joli hein. Tout ce qu'on a en tout cas. Ouais, c'est sympa ça. Je sais pas, oui, faudrait trouver lieu sain, etc. Mais j'ai des problèmes. Alors comment ça, j'ai pas le discount? Oui, parce que j'ai pas pas fini mon campus ici. Campus qui serait... Alors mon campus qui est en un tour normalement. Putain, il me manque un de prod. J'ai 36 ici. C'est assez mauvais ça, parce que ça veut dire que je vais... avoir du stack de prod derrière. Il pourrait me faire par exemple le theater, tu vois. Mais en même temps, j'ai besoin de ce campus. Ah, c'est dur. On était à pixel hein, vraiment d'avoir fait haut. On va juste faire ça à une toute petite tempo. Bon. Et là, va falloir qu'on chope ça derrière. Voilà, faire refaire un bat. Il y a combien le bat? 41. Comme ça, c'est assez fair, on sait.
On y bat un tour ici aussi. Et bah on attend maintenant. Un truc en haut là? Non. Personne n'a fait dans les jeux, ça serait intéressant de réussir à en choper une. On attend patiemment pour tous les battes avec Féo. Flutter 194, score! Before Jesus, why to build amphitheater building when you can't buy them? Hello! I can't do that right now! I will do later. Et là, c'est vrai que on a quand même le petit Stone Edge qui est ici. Il faudrait un Yossin en Stone Edge pour au moins avoir dans deux villes et que ça commence à se spread. But when? Soon! When I can put district in Corinthus and Spartacus. But I want big armory first. Alors, bon, ça c'est bon. Coup des cases, on peut l'enlever aussi. On est bien comme ça, je pense. Voilà, on va commencer à faire un truc vilain pour commencer direct. Prochain pop, ok. On va mettre le Magnus ici, je pense. Moins que. Magnus là est très très bien. Il y aura donc le Moksha après dans la BA. On va se rapprocher. Donc 10 de pop, ça se rapproche un tour aussi. 4.6. On a fait une erreur quelque part? Oui, ça. Bam! Plus d'erreur! On continue de se faire des 3 battes. J'ai oublié de chop ça. Lui, Athènes, on va laisser Athènes de côté. Il y a tellement d'autres chops qu'on va mettre, le Magnus. Et le bâtisseur à 5 charges, là, il va laisser faire les fermes. Ici, on va avoir la possibilité de mettre par exemple du Tech Duke pour donner double zone indus aux deux villes. Là, il y a deux campus, deux zones indus, une place de théâtre. Pas mal. C'est des trucs bien à côté là, donc ça me fait chier. Ok, on va se refaire un bat en attendant quand même. Pouvoir médiéval, on part dessus. Il va falloir que je me fasse navigation à voile, on va aller travailler la baleine. J'ai envie de me kill quand je vois des trucs comme ça. Colon. Pas de colon actuellement. Bim. On a récupéré Corinthe en plus. Allez, hein, personne n'est passé en plus 3. Mmh.
Et je vois. Je vois tous les soucis. De prod. Il y a un truc à 55 là. Alors, il faut que je fasse maintenant apprentissage quand même. On a posé beaucoup de trucs, on a fait des discounts. On a plus de PB normalement. Toi tu n'as plus que un shop. Quand on dit un shop, c'est rien du tout. Donc on va retrouver une nouvelle ville qu'on va pouvoir chop et améliorer la croissance rapidement. On va se faire apprentissage pour avoir plus de production sur ces mines. On snowball tranquillement. C'est le début de la game, on macro pour le moment. On va faire un bat. Chercher la baleine. Alors là, je voudrais bien chop ça pour le grand bain. Oui. Je vais faire ça. Comment ça se passe ici? Ça se passe correctement. Construction navale, ça pourrait être intéressant aussi. On est en 40-58, on n'a pas beaucoup de score. On va voir Fun Flotter. Ok. Il faudrait relancer un colon ici, un colon ou deux là. Oh, elle est pas boucalée, putain! Mausolée d'Alicarnas qui est fini. Je veux avec plaisir abattre rapidement ici. On puisse passer sur un nouvel amphi. Qui 2,3 points. Peut-être que c'est un mec amusé. Non, il a pas mis juste la carte. Le problème de case là. Petite construction. C'est gratos ça. Je peux pas trop faire de bat ici. Pas beaucoup de cases. Qu'on n'a pas trop de classe, qu'on n'a pas trop de chop, on préfère faire en sorte que les villes qui ont pas mal de prod quand même ramènent des bats pour faire en sorte que la ville puisse se chop des quartiers et non bah, d'autres unités civiles. On est en plus 4 ici, c'est pas mal. Plus 3, pardon. On a 113 de prod. Bien. On a de la foi, personne en train de fonder une religion. Il y a un petit campus qui sont en train d'arriver, 6.9. Bonjour Flywheel. Prochain match d'Ulysse. On avait parlé un petit peu tout à l'heure. Prochain match, ça sera contre Coq, le tie-break contre en CWC, mais on n'a pas trop de dispo. Donc du coup, on a prévu peut-être de faire un duel de champions. On envoie les deux équipes, un champion en 1v1. L'Espagnol dans l'arène. Et on voit ce qui se passe. Donc je suis parti fort médiéval parce qu'on a quand même des bonnes acropoles, plus 4, plus 6, plus 7, peut-être même plus 9 bientôt. Donc ça va nous faire pas mal de culture en plus supplémentaire rapidement. On essaye de mettre nos prochains quartiers, donc plateforme commerciale, en discount. C'est pour ça. Je peux pas acheter la case en haut. On va se faire les petites fermes ici. On va se faire un triangle de ferme là aussi, parce que je pense que le prochain truc qu'on va faire ici, c'est un moulin. Astro. On a besoin d'un quartier. Hein. De toute façon, il me faut le lieu saint ou Stone Edge ici. C'est sûr. Ah putain, je l'ai plus. Je viens de chop. Merde. Si je l'ai là encore. Et ça fait chier. Et ça fait un peu chier. D'ailleurs, tu vas récupérer la 2-2, toi. Donc, fort médiéval, ça c'est bon. Ouais, t'as combien de culture?
On se chope ça. On est à 48, 118. On va être à 166. Envoyez Milamber. Bonjour, bonjour Games. Ouais, rip la ferme, putain, ça fait chier. Hein. Ah, je suis d'accord. Ok, ici on est en train de travailler que des bonnes cases, ça fait plaisir. Ici on ne travaille pas que des bonnes cases. Pourquoi tu travailles pas ça toi d'ailleurs? Pas très étonnant de ta part. On avait un autre diamant. On a travaillé à l'instant. Et peut-être qu'une petite cité-état peut nous en donner un autre. Une autre ressource de luxe. Et Revan. Et Revan, mais Revan, nous on veut prendre nous Revan. Avec des chevaux, ça serait bien, mais il y a déjà 42 de la défense. Un 9, ça ne marche pas. Habitation, Edina. Je me demande si ça a 15%. Pas de plus, je me rappelle plus l'été. J'avais besoin de 34. Peut-être que ça va. Attendez, peut-être que ça marche. Et non. Et à un de prod. Ah ! Ah bah ouais, c'est... C'est terrible ! Mais c'est terrible ! Et la carte autour avant, avec un smiley, nous dit Pebbleton. On fait quoi ces gens-là ? On fait quoi ces gens-là? Je sais pas, je pose des questions. Faut que je ramène les battes ici maintenant. Deux marchés, je les aurais pas évidemment. On va essayer de partir droit divin. On va aller juste en face pour le moment. Voir l'accord. Bien sûr mon ami. C'est ça que je venais d'ailleurs. Totalité, on est parti. Ouais, monseigneur. Ça serait quand même dur. Je me mets une petite zone indus quand même au cas où. Au moins, elle sera faite. 51, 100, on a la science qu'on aime bien justement avec ce genre de cive pour pas être trop en retard. J'ai eu peur. J'ai eu peur. On va se refaire un bat. Et on se refait des fermes. Je me reprends une deuxième ressource de luxe. On taffe les trucs. Ah, on vient de bien up là en termes de science, de culture, pardon. Peut-être que si j'avais eu le minus colon, on aurait pu faire un colon en 1. Mais là, je voudrais bien avoir Astro en vrai. C'est ça la vérité. Lâche dehors, 7 tours, tranquille. Ah mais lui putain. Ah je lui ai volé un truc, ah non c'est Pyramide qui a été fini, c'est pas par moi. Alors on avait deux baleines, du miel. Mon ami, mais on est si complémentaires. Hein? Okay. Ouais, pas mal, le petit plus 5, petit plus 9. On va voir nouvelle acropole qui va arriver là. On va pouvoir se mettre zone Indus. Est-ce que je mets pas au lieu saint? Bah c'est tentant, hein. Ouais. Il nous faudrait un petit peu de gold. 2,3 points, il a pas l'air d'avoir fait de projet. Bonjour Bogdoga. Bonjour Gablo. Plein de gens que je n'ai jamais vus. Oh, chat.
que des noms inconnus au bataillon. Je me demande pourquoi, tiens. Il y aura mon petit campus, mais il sera pas encore là. On a besoin encore un peu de temps pour pouvoir le lancer, le sortir. Bah, hein. 3, 2, 1, dégage, hein. Des os, mais pas vraiment des os. On va falloir refaire un bâti, je pense. Job du mouton qui fait du bien. On a de l'émissaire. Je sais pas trop quoi en foutre, en vrai. Ma body. Je voudrais bien faire ça en deux, mais j'ai l'impression que c'est pas possible. Akumazi et l'agrume. Ah, j'ai un peu de mal, hein. J'ai un peu de mal au niveau des golds que je génère. On a remis Medina derrière. Et deux tours évidemment parce qu'on est à 90. On va essayer d'aménager tout ça. Il y a le Magnus qui est là maintenant. Il va falloir qu'on parte. Ah il est bronze. Ah bah un tour. Nickel. Nickel. Pourquoi on n'a pas de food ici? Voilà, s'il te plaît. Et on va devoir ressortir du colon sur le bas du land. Et ce Magnus là, il est pas trop mal positionné pour faire ça. On est tour 51. Ça me plaît bien. Il y a un lieu ça en plus. Ça serait pas con, hein. Bon là c'est pas mal. Comme ça on a deux lieux saints directement. Construction navale avec du bronze. On va attendre un petit peu pour le prochain gouverneur. Go, conteste Zanzibar. Pas beaucoup d'émissaires, hein. Il y en a 6. Je vois pas pourquoi je le ferais pour le moment. Reina, Mani. On espère vraiment avoir le Stone Age. C'est marrant, il y a qu'un point de foin ici. C'est une autre rivière que celle-ci. Est-ce qu'on voit l'embouchure ici? Embouchure. Elle? Hein? Ouais, Missen, il nous faut quelque chose ici. On continue d'aménager un peu partout, évidemment. Est-ce qu'on fait ces hôtels? Je pense pas. Juste que les bâtiments que je suis en train de lancer là m'ont pas l'air d'être foufoufou.
te lancer ça. Toujours des bats en prod, moi. J'ai plus de bats en prod, moi. Ouais, mais après ça, on fait quoi ici? Ah, je me sens un peu perdu dans cette ville-là. Au revoir. Non, ça c'est de la merde. Ouais, deux quartiers en un tour, c'est pas mal ça. On a fait la plateforme commerciale et juste derrière, on va se faire la zone industrielle. Noah, théologique, on aurait pu boost. Tradition navale, on n'aurait pas pu boost, donc du coup, on aurait dû partir sur ça directement. Ah, est-ce que je me fais éducation jésuite? Est-ce que je me fais les merveilles? Mrod. Et... on pourra faire les deux trucs ici. 15 de pop du côté de Corinthe, les gars. Marcher un tour. On va se refoutre du bat ici, évidemment. On a bien les colons. On va te faire partir un colon en bas, à mon avis. On va juste le faire tamponner un petit tour un moment. Ah, oh, le plus 6 sur les merveilles, il est bien, putain, quand même. Mais je vois pas où on va, qu'est-ce qu'on va faire si on fait ça. Donc du coup, on va se foutre ça. Et un bon prédicateur. Parce qu'il y a personne qui a de religion. Et à peu près, je me prends un truc rigolo. Et... ouais, lieu sacré était bien, mais pas si bien, parce que je suis plus en early game, tu vois ce que je veux dire? Alors ici, c'est un peu la merde. On a des amphis qui sont en train d'arriver un peu partout. On le met au cas où. Vraiment. Toi, t'en es où, toi? Pas ton truc? On va te faire sûrement l'aqueduc. Bam. Voilà, la fois on va la dépenser aussi un peu. Rhodes, Athènes, Corinthe. Ils sont spread. On a le prédic. On a des villes qui n'ont pas beaucoup de pop 3-2, pardon. Une chance que ça puisse se spread un peu rapidement. Mmh, c'est chop ça. Mmh. Un arbor, ça aurait été pas mal. Mais je pense qu'il y aura d'autres arbores un peu plus tard. Oui, on continue les battes ici. Encore un écrivain. On les place dans la B1. Monarchie, est-ce qu'on clique monarchie? On va commencer à aller sur le haut de l'arbre. C'est un petit truc ici. Toi, t'as besoin de food.
prochain tour, on va se chop le petit forêt 3, on devrait être à 10 de pop encore. Again. Il y a des bats qui sortent. Ouais, il y a un bat qui sort ici prochain. 5,7, on est à 8 points ici. Un... 16 de pop prochain tour ici. Pas grand chose d'autre à foutre. Ah, je me suis pas mis en monarchie. Ah, c'est quand même pas mal, je pense. Puissance de combat plus 1 pour chaque emplacement de doctrine militaire du gouvernement. Quand même, bon. L'oracle qui en a fini. Je peux choper ça. Ah, j'étais trop... optimiste. Toi, ça va? Tu travailles des bonnes cases? Ouais, ça va. Allez, les bats. Ah ouais, toi tu veux aller là, on va se poser là, non? Tokug. Le Tokug en face de nous. Ça me va. Zanzibar. Voilà, là c'est le moment où je me dis Zanzizi. C'est pas mal. On va se faire monarcher donc. Là je pense qu'on est plutôt d'accord. Et là, il y aura ça à faire, évidemment, à un moment. Chevalerie pour faire... chevalier ou deux. Le... Ouais, ce colon, il va où? Il va aller en bas, hein? Il va peut-être aller là. Hein. On va aller récupérer des cases. On a de la place de théâtre. Ok, ish. On est à combien? 6690. 71-200. Messieurs. Pour 55, 355 de score. Et voilà! Le sim! La macro! On est devant maintenant, les gars! Alexa n'est pas bien dans la game. Je considérais que c'était le meilleur joueur de la partie. Bon, bon vraiment la cible, t'es content, fascisme. Ah bah ouais, ça te fait du militaire de dingue. Ding. Alors, est-ce qu'on part en libre pensée? On a perdu 40 de culture. On a 4 tours ça, on a un plus 6 actuellement. À mon avis, non, hein. Dans deux tours, on aura ça. Non, on va pas aller prendre ça, on va aller prendre ça là-bas. Ça a l'air d'être bien. Oh, le mont Saint-Mich-Mich. Bien ou pas? Ouais, je pense que ça serait rentable. Par contre, je vais vouloir me foutre ça. Un peu obligado. Encore un bat. Navigation astro. De toute façon, on va être obligé. Je vais te faire assurer parce qu'il n'y a pas grand chose à aller travailler à côté. On est sur un tour ici, on va s'acheter la zone Indus. Prochain tour. Dans cette ville-là. On regarde nos cas, si elles sont bien travaillées, s'il n'y a pas de soucis. Si tout le monde travaille une moyenne de cases de 2 de foot, 2 de prod. Minimum.
Hildegarde, ça nous fait le savant, ça nous fait éducation. On a bien envie. On a bien envie de faire les trois archers aussi. Qu'on n'aura pas. Et on va aller exploration maritime. Et c'est assez dommage. On n'a pas les deux ports. Alors... Gyps ? Je crois que moi j'ai du gyps, mais à balle. Cavalerie lourde, pourquoi pas. C'est pour moi. Bon, il y a des gens avec moi, hein. Ce ne sont pas des bots. Ce ne sont pas des bots. Voilà, alors ils ne parlent pas non plus, je me suis débute, mais... Si l'idée de go fascisme, pourquoi ne pas go directement sur arbre du bas et raser toute la map comme un vrai dogo? En FFA, c'est assez peu rentable de partir sur arbre du bas généralement parce que les timings de Peuge vont être assez proches par rapport à l'arbre du haut. Tu vas avoir les 3-4 tours de différence par rapport à ce genre de Peuge parce que industrialisation, moteur à vapeur, ça va pouvoir te booster acier, ça va te permettre de booster aussi raffinage et tu vas voir si tu es sur un bon timing au niveau de la culture aussi ton archéologue pour le blinder. Donc ces trois Eureka là, qui sont possibles avec aussi le voie du haut et un petit peu de temps, tu vois, pour faire ton archéologue, etc. Bah c'est plus ou moins la même chose en FFA, j'aurais pas le même discours en Teamer, mais en FFA, généralement quand je pars sur la voie du bas, bah, je me sens toujours déçu. Alors après j'ai pas beaucoup de science là, donc ça c'est un élément à prendre en compte, important. Plus 6. Attends, mais si je te mets un petit barrage là. J'ai cassé des cases. J'ai cassé des cases, je suis d'accord. Mais bon. Bon deal. En voulant avoir un bat en plus. Big Diplo, on peut enlever. Un plus 4 de science ici, je trouve que c'est pas encore assez intéressant. On se le prend quand même. Alors on va les scouter avec lui d'ailleurs. Putain, prochain tour. On se changera de gouvernement aussi. C'est pas encore le fascisme, c'est l'exploration maritime. Alors l'exploration maritime, bah t'imagines ce que tu veux, mais à un moment il y a des bateaux et des mecs dessus. Et t'explores. Donc nous on a bien fait ça en France. On a bien exploré. Est-ce qu'on peut pas avoir un tour là? Et un deux. On va garder ça quand même. On est en plus 4, c'était quoi qui a donné le café, putain. On est... Ouais. Alors qu'on n'a pas éducation jésuite dans nos villes et qu'on n'est pas en train d'utiliser ça, on est en train d'utiliser notre foi. Plus 30 par tour grâce au grand bain. Plus que 30 par tour maintenant. Ouais, c'est dur. C'est dur, c'est dur. On arrive à spread. Conversion dans 8, dans 5, dans 5. Ça va ce spread. Partir le mec là. Ok, on a boost humanisme. Et ici, on voulait faire un chevalier, hein, on se rappelle. On a pas encore réussi. J'avais pas la carte des colons depuis tout à l'heure. Non. Oh, j'aurais pas fait ça moi. Ouvrir campus plus fort. Et donc get what tu sais. Mécanique qui était boost.
à récupérer le dernier truc. On voudrait bien avoir tactique militaire de boost aussi. On va aller loin, mais ça va être bien. Ok, l'Empire Phénicien. Est-ce qu'on peut passer dans votre empire, monsieur? On a récupéré du gypse en plus. Donc, du colon en train de sortir. On va mettre du temps pour cette halle. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Est-ce que je me fais atteler directement? Je n'ai pas très envie de faire ça. Mais bon. Ouais, j'hésitais avec un colon, mais c'est trop long en fait pour faire partir de ma cape. C'est différent cette aile maintenant. Il me faudrait Yerevan, hein, toujours, hein, ça n'a pas bougé. Une cité en plus, gratos, quoi, quelques unités, ça te permet. Oh, une chaussée légère. Avec Gorgo, ça peut être bien. Hein. Ça fait quoi chaussée des géants? Il y a des gens qui sachent. Petra. Ah, je suis à 65 de science. Faut que j'améliore ça. La lance dans le fion. Oui. Oui, c'est ça. Je pense qu'on va même partir à l'université là directement. Et ici, on va essayer de se rapprocher peut-être de la teinture, de ça là. Ça n'a pas l'air d'être trop trop mal. On a un théâtre à côté, on a un campus, on a un arbor. 125 de science, 125 de prod, pardon. On va le faire. On va faire les deux mines ici. Est-ce qu'on a encore du bat? Bah ouais, je vais faire le musée d'art d'abord. On a toujours les bats. Pas de Franco. Ouais, bah, un zizi, c'est dur. Un zizi, c'est dur. Merci. Merci Stargré. 12 mois, ça me rajeunit pas. Ouais, bah ça va. Oh, 12 mois, c'est ok. On va s'acheter ça. Et on pouvait s'enlever les battes. Oui. Oh, c'est pas dingo. C'est pas dingo. Ah, j'aurais pas Mercant non plus. Hein. Ça, c'est sûr et certain. On va se mettre quand même lumière. Astro, ça va être super dur. On aura la possibilité d'opéra et ballet derrière assez facilement. Je devrais pas faire quelques projets. Je pourrais me chercher un Galilée ou un quoi que ce soit. Un Galilée, ça me ferait du bien là ici dans Zanzi. 5 montagnes. Trois, 6, 7 villes. Et on va en avoir beaucoup. On va arriver tout d'un coup. Ok. Les gens ont pris les savons là. Zanzibar, Kaboul. Oh mais c'est tôt. C'est trop ça. Dans sa...
on va se faire un musée d'art directement ici aussi. Or 4 tours. Ça a l'air d'être bien ça, hein, quand on le dit. On a envie d'avoir le boost en plus. Alors, voilà, pas mal. Une petite plateforme commerciale en plus, ça ferait du bien. Là, on va se mettre ça. On va mettre l'activité, ça va nous booster un peu tout notre empire. On va s'enlever les campus en plus 4, c'est pas terrible. Quand même, je veux dire. Et là, il y aura un autre port qui va tomber, hein, direct, je pense. Ou alors, ce sera dans cette autre ville. Là, je n'arrive pas à faire gros le bordel. On aura un petit peu de shot possible, en vérité. Le marché évidemment. On va aller vers là-bas. Et on a combien d'activités? Plus 4, plus 5. On a juste Athènes qui est pas en plus 5. Au niveau de l'habitation, ça devrait aller. Gros raise, 62% du côté de Athènes. Ouais, c'est aussi un problème ça. Mais sinon, 36 Corinthe. Putain. Pour un 18 de pop bientôt. Ah merde. C'était de l'autre côté. On va bientôt avoir notre ami musicien. Alors l'ami musicien. Est-ce qu'il y a toujours la padanade possible? Non. Si. On va se faire la padanade directement. Ça c'est astronomique qui a été boost. Kiloa. Écoute, un kiloa c'est toujours bien. On peut l'avoir. Alors je voudrais chop les derniers trucs. Tactique militaire, nickel. Je me comprends. Alors là, est-ce que je te pose là ou pas? Ouais. On a de la ressource de luxe, pas loin. On n'a pas de théâtre, mais je pense pas que ça soit très grave. De théâtre naturel. En tout cas. Je fais le musée archéo, hein. Espion 112. Université 125. On va faire le livre. C'est cher ça. On va se récupérer les deux émissaires en plus d'opérer et balai. Comme sur l'autre, il nous fera plus chier. Astronomie, ça serait intéressant d'aller le chercher. Ça serait intéressant pour le faire le boost, mais c'est dur. Vu le peu de chance qu'on a. Voilà, il faut locker notre chance là où on peut en tout cas. Culturel T85, le but c'est de faire une culturelle, je suis d'accord avec toi, en train de me remonter Yeli. Avec l'Allemagne. L'Allemagne. 162 de science, mais c'est surtout la prod. Où il y a une bonne avance du côté de Yelister, normalement on est à 250 nous, de l'autre côté, ce qui est pas mal. Mais il y a plus en face. Et les petits bats.
Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Ouais mais je voulais le bouger tout de suite. C'est pour ça que j'ai fait ça. On va le bouger dans Pergame. Prochain titre de gauche, je pense que ce sera mon Moksha boosté. Hein. Et on va partir en primaire en vrai. En vrai. Petit musée archéo. Pas si con. Hop, je te remets un deuxième point. Alors. Il me manque 3 de prod. One turn. One turn, c'est important. Temple au Mayer, Bolshoï. Une petite route supplémentaire. Il va falloir que je fasse le bordel ici. On va se mettre en bas. Le petit Pamukkale, ok. Du jade. J'ai pas de jade, hein, moi. De jade, moi. Oula, il y a des trucs ici, le Vietnam. Et pas d'accord. En plus 5, plus 6, plus 8, plus 8, 2. On regarde les cartes un peu. Pas grand chose qui nous intéresse. Peut-être le plus 16 ici, mais bon. On a un petit peu de musiciens qui arrivent. Ouais, on voudrait bien les boules, mais. Nous on peut pas vraiment faire ça, j'ai l'impression. C'est dur pour nous. Le Magnus qui est en train de switcher, ok. On a en plus 5 quand même, grâce au petit jade. Plus 5, plus 6, c'est bien. Presque. 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 Il a raison. Mais fresque à la place de quoi? Place de servage, hein. Alors, on va voir. Des colons qui vont arriver, mais ceux-là sont un peu longs. Celui-là, je vais le poser du coup. Alors attention, parce qu'il y a Genesil qui saute là. Donc, s'il y a un. Déjà, s'il y a un bat. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Petit travaux publics, je suis bien d'accord. On va enlever Medina pour un petit moment. Il se chope directement le gold. On va essayer d'en profiter. On va le plus loin possible pour aller, travailler nos cases. Comment ça se passe ici? De pop. Nationalisme, ça, on ne l'aura pas. On va leur tech. Alors ici, ça serait mieux de se mettre là. Il y a du jade d'ailleurs. Merde. Bolshoï. En Corvat. Pas mal en Corvat en 4. Hein. Parce que c'est ce qu'on va faire. Bolshoï, ça m'a l'air d'être un peu trop pressé pour le moment. On voudrait bien mettre une carte rouge qui s'appelle Vétéran, ce qui nous permettrait d'avoir un peu plus de production sur les bâtiments de campement. Il est arbore. Ok. Et on pourra te faire un petit grenier après toi. Et on va mettre conservateur. Bah bonjour. On se met bien ici apparemment. Berlin. Berlin, c'est bien.
Alors, est-ce qu'on arrive à spread un peu? C'est léger pour le moment. C'est vrai qu'on pourrait faire un petit truc ici. Je te mets un amphi. Ouais, on aurait pu acheter les unibs, j'ai un peu oublié. Au moins une. Deux aurait été compliqué.